Balcony TV. Bonjour, bienvenue dans Balcony TV Genève, c'est Mélissa et aujourd'hui on est sur la terrasse d'un endroit particulièrement beau, c'est la terrasse de l'hôtel Métropole à Genève, on est juste en face du jardin anglais et on les remercie d'ailleurs pour ça. Aujourd'hui on accueille une femme charmante, pétillante, magnifique, c'est Julie-Marie, je t'en prie. Bonjour Balcony TV, aujourd'hui je vais vous interpréter une chanson d'amour qui s'appelle « La moule ». Ça va faire des semaines, voire des mois que j'y songe. J'ai essayé maintes et maintes fois de t'exprimer ce qui me ronge. J'ai voulu être sympa pour pas te froisser. Mais là je crois que je suis sur le point d'exploser. Prends tes clics et tes claques et débarrasse le plancher. J'en peux plus de tes bouquets et ta petite gueule de minette. T'es comme une moule accrochée à son rocher. Tes « je t'aime » me donnent la gerbe et je peux plus voir ton torse imberbe. C'est pas que j'aime pas tes discours romantiques, mais tu manques de vocabulaire. Va falloir revoir tes classiques. Tes attentions me donnent de l'urticaire. Et mon chat est en dépression depuis que t'as ramené tes affaires. Prends tes clics et tes claques et débarrasse le plancher. J'en peux plus de tes bouquets et ta petite gueule de minette. T'es comme une moule accrochée à son rocher. Tes « je t'aime » me donnent la gerbe et je peux plus voir ton torse imberbe. Quand je te dis que je ne t'aime plus, toi tu n'arrives pas à y croire. Tu te persuades qu'en me sautant, tu me redonneras de l'espoir. Mais c'est fini. Tes câlins me soulèvent le cœur. Et tes larmes de crocodile ne font qu'empirer mon humeur. T'as raison, je suis probablement méchante. J'irai me confesser demain à l'église avoisinante. Tu me demandes si je suis bien sûre de moi. Non, pas vraiment, je crois que t'as oublié. Pantalon à toi, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Prends tes clics et tes claques et débarrasse le plancher. J'en peux plus de tes bouquets et ta petite gueule de minette. T'es comme une moule accrochée à son rocher. Tes « je t'aime » me donnent la gerbe et je peux plus voir ton torse imberbe. Au début, je te prenais pour l'homme idéal. Et j'étais loin de me douter que tu deviendrais infernal. L'air tout penaud, tu me dis adieu sur le palier. Quand est-ce qu'il va se casser, bon Dieu? J'ai du champagne à faire péter. Prends tes clics et tes claques et débarrasse le plancher. J'en peux plus de tes bouquets et ta petite gueule de minette. T'es comme une moule accrochée à son rocher. Tes « je t'aime » me donnent la gerbe et je peux plus voir ton torse imberbe. Pa-pa-da, pa-pa-pa-pa, pa-pa-da-pa, pa-pa-da-pa, pa-pa-pa-da-pa. Super. Merci Julie. Merci. À vous. C'est cool. Ça fait un petit moment qu'on essaie de se choper, que tu viennes. Donc finalement, tu es là. Alors voilà, je vous présente Julie-Marie. Alors, tu exploses, tu relates la vérité, ta vérité, que tu aiguises avec je dirais, une lame de la passion d'une femme qui aime les relations humaines et l'amour. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je crois, hein, ouais. J'essaye. Ouais. J'essaye d'être à ton niveau. Est-ce que ça va? C'est très bien. Est-ce que tu peux me parler? Présente-toi pour ces gens qui font connaissance aujourd'hui avec toi. Alors, écoutez, je m'appelle Julie-Marie, voilà, donc tout le monde le sait. Je fais de la chanson française. J'aime à dire qu'elle est humoristique. Et j'aime beaucoup parler de sexe, des hommes aussi, et de sexe aussi. Tu me fais penser à Gidré. On te l'a souvent dit.
On me le dit assez régulièrement. Voilà. Ouais. T'as pas ta langue dans ta poche, en plus t'es belle. Donc c'est, je dirais que c'est un peu la même souche d'artiste qui pose pas comme une plante, mais qui est là, qui amène quelque chose de charismatique. Et puis donc c'est excellent. Qu'est-ce que tu peux me dire pour tes prochains projets? T'as un album qui sort à la fin de l'année? Alors c'est précisément un EP 4 titres qui sort à la fin de l'année, qui a été enregistré chez FBI Prod. Donc ça c'est la petite surprise de l'année. Mmh. Et en plus de ça, va y avoir donc deux concerts au mois de décembre à Genève. Où ça? Alors un le 14 au Café Voisin et un le 16 au Café Galet à Plein Palais. Ok. Voilà. Super. Et puis la grosse date à venir, ça va être un concert à Château Rouge, qui est la salle de concert d'Annemasse, le 23 mars. Ok, super. Alors de toute façon, on vous mettra tout ça dans la vidéo. Et où est-ce qu'on peut retrouver Julie-Marie.net? Exact. Voilà. Le site internet. On vous mettra tout ça dans la vidéo si vous voulez aller faire connaissance avec son univers et ses robes à pois. Voilà. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié? Merci Balcony TV. Yeah. Merci à toi d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé Balcony TV. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel artiste. Ciao. Balcony TV.